یک جوان وادهان اوریانسر و هم جنگ جوی زیر ابر تیره خفته روی زواج عرف غافل افتاده بخواب نزدیک جو در مرغزار اندران سرسرد بستر روشنایی اشکبار que j'ai rencontré Ghulam Ali, il venait de traduire en langue dari Le Dormeur du Val d'Arthur Rimbaud. Le vieil homme lisait des poèmes pour oublier la guerre. Lui et 24 autres anciens interprètes afghans de l'armée française vivaient dans la ville de Laon, dans l'est de la France. Ces interprètes, venus des quatre coins de l'Afghanistan, avait travaillé aux côtés des soldats français contre les talibans entre 2001 et 2014. Tous avaient été rapatriés avec leur famille à Laon. Tous tentaient de trouver leur place dans cette ville située dans la diagonale du vide. Nous, on est venus comme... Je peux utiliser une expression comme un champignon dans la forêt. Quand on se quittait l'Afghanistan, on a préparé des bagages, à peu près six sacs, que on prend, en plus que les dimensions c'était donné par l'ambassade, qu'il ne faut pas dépasser de ça. C'était 70 sur 50. C'est ça, c'est en respectant tout ça. Qu'est-ce qu'il faut mettre? Une vie de 40 ans. Alors, il faut mettre dans les sacs. Ça rentrera jamais. Les enfants aussi, ils avaient des souvenirs. Dans la maison, dans les pièces. Alors, ils ont gardé leurs jouets. Et j'ai rangé leurs jouets. Et j'ai numéroté. J'ai mis que c'est dans ce sac-là, il y a ça, 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 ça. Et ça, c'est ton sac. Tu viendrais un jour et tu récupérais. Récupéreras tous tes jeux. Et là, en réalité, je me suis dit que non, c'est pas aller-retour, mais c'est un aller sans retour. Dans l'avion, alors, les stress et les questions que je disais tout à l'heure. Comment je fais? Je vais où? Je serai accueilli comment? Tout ça, c'est des questions que même les enfants, même mon épouse, ils me posaient la question. Alors, comment on fait? On a abandonné notre pays, on a abandonné une belle vie. Et est-ce qu'on aura l'occasion d'en avoir? Ah, mais je disais, mais pour la calmer, toujours, mais il faut perdre quelque chose pour avoir l'autre chose. Vous avez perdu la guerre, l'insécurité, mais maintenant vous allez vivre en paix. C'est pas grave si c'est une tente. Cavalier. Franchement, je ne connaissais pas beaucoup ni la culture française, ni d'autres choses par rapport à la France. Parce que j'avais entendu que il y a la liberté, la fraternité, l'égalité. Et
tout ce qu'on veut, on peut faire en France. C'est ça qu'en fait j'avais entendu quand j'étais en Afghanistan. Et quand je suis arrivé ici en France, j'ai vu que c'est bien ça. Les femmes, les hommes sont mélangés, ils vont au bar et ils boivent du café, et puis ils se discutent et tout ça. Une fois que je suis arrivé sur le territoire français, j'ai vu, en fait, ça m'a choqué un peu, mais pas beaucoup. Ça m'a choqué un peu, et puis, voilà, depuis 6 ans, j'ai de l'habitude, hein, maintenant, voilà. Au début, nous avions espoir, en fait, de rester en Afghanistan. Nous ne pensions jamais de venir en France, parce que c'était notre pays. Et on ne savait pas que la situation sécuritaire se dégradait, en fait, pour les interprètes ou pour ceux qui ont travaillé avec l'armée française. Depuis que je me souviens, il y avait la guerre, l'arrivée des Russes, des Soviétiques, le djihad, la résistance contre Soviétiques, l'arrivée des Mujahidines, la guerre civile. Il y avait tout le temps une guerre, en fait. Et la guerre, il a apporté un malheur aux générations des Afghans. Les Afghans, c'est pauvre. Ils sont satisfaits avec un morceau de pain, un assiette de épinards et ça passe. Les Français, ils n'ont pas un niveau économique. Ils ont beaucoup plus de pouvoir d'achat. Ils vont au pique-nique, ils vont à l'Égypte, à l'étranger. Ils en profitent de la vie. Ils cherchent des richesses. Ils cherchent des plaisirs dans la vie, alors que les Afghans, les pauvres, ils voulaient être vivants, il ait de quoi manger, qu'ils soient capables d'aller à l'école, et du moins ne pas avoir la guerre et des obus, des chicoumes qui tombent sur leur maison. C'est ça la différence entre vivre et être vivant. Les Afghans voulaient être vivants, mais les Français, ils voulaient vivre. C'est la meilleure partie de ma vie. Parce que quand les talibans ils sont venus à Kaboul, c'est la France qui nous a sauvés. C'était dangereux pour mon mari, pour mes enfants et pour moi, parce que tout le monde a dit que vous êtes des espions de la France. Il disait que ton mari aussi, il travaille avec les étrangers, avec les Français, et toi aussi avec les Français. Et à cause de ça, que nous sommes obligés de venir en France pour sauver notre vie.
Je connais la guerre, j'ai goûté, ça a été douloureux en fait. J'ai participé dans beaucoup d'émissions de combat, des patrouilles, etc. Environ 150-200 missions sur le terrain. Et c'était dangereux, oui, bien sûr. L'interprète jouait un rôle primordial. C'était un point de contact entre l'armée française et la population afghane. C'était toujours l'interprète qui rentrait dans le village en premier. Après, la deuxième, c'était le chef de section, soit c'était le lieutenant ou sergent-chef ou adjudant-chef, qui se renseignait en fait concernant les talibans et tout ça. C'était souvent les interprètes qui apprenaient la culture afghane aux armées d'OTAN, aux armées françaises. Sans interprète, l'armée française ne pouvait rien faire. Jusqu'à 2008, la situation sécuritaire était calme en Afghanistan. Même l'armée française sortait sans gilet pare-balles, sans VAP, sans FAMAS. C'était après 2008 que la situation sécuritaire a commencé à se détériorer, de jour en jour. À chaque fois quand il y avait des opérations comme ça, quand on sortait de camp, on était obligé de se défendre. C'était souvent le capitaine ou le colonel qui nous fournissait les armements. On rentrait dans le village parce qu'on a eu les mêmes vêtements comme soldats français avec gilet pare-balles. Personne ne pouvait différencier entre les interprètes et les soldats français. Et ils nous tiraient en fait. Ils nous tiraient au-dessous de la fenêtre, de la maison et tout ça. Et on était obligés en fait de se défendre, mais on n'était pas bien formés, mais on pouvait tirer. On nous a tirés dessous. Ah, j'avais pas d'arme. J'insistais pas d'avoir l'arme. Ce qu'on m'a dit, j'ai fait. Mais j'étais affecté en tant que PCRL. Personne civile recrutée de la locale, en fait. Une personne locale. J'étais pas soldat, j'étais interprète civil. Quand on m'a donné le FAMAS, je l'ai pris. Quand on ne m'a pas donné, j'ai pas insisté. Comment... Ouais, ça, c'est le Ouzbin. C'est un Ouzbin, oui. Ouais, ça, c'est le Ouzbin. La dérocour, Karargam, c'est quand même là. منگال تتری دو هفته دو نیم هفته باران و یا پیش رانده شده قرارگاه و چه دی دا لار پرقاته که دوی دا غنا باد پک نبراتل دست دا غنا تتل سا سو کلونر کمه ده؟ اتون ایلی دونی به سرتفیکیت وای 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 سا پی که کانا سام کماندو درنگو وای سی لی سوونیر که رست وای Et de joindre tout le décédé qui est au cinéma, c'est le meilleur خاطر qui est. Oh, de joindre de tout le monde qui est au cinéma. On est être humain. C'est pas vrai qu'on se dit que les Afghans, c'est métallique, ils n'ont pas peur. C'est pas vrai. Nous, pour ça, on a un proverbe. Har sare de shpi rigi tsu kalui tsu kenui. Chacun a peur le soir. Certains le disent, certains le cachent. Quand on est dans une situation de guerre, on voit beaucoup de choses. Il y a des soldats afghans, il y a des soldats français qui sont déjà blessés, morts, à côté de toi. Pour nous, moralement, c'est très, très difficile d'oublier. Ces 100 soldats, ils ont étudié ou entraîné pour... quand quelque chose qui arrive, il faut l'oublier. Mais les interprètes, nous, c'est un cauchemar pour tout le monde, pour tous les interprètes. Je voulais démissionner. Après, quand il n'y avait pas de conflit, je pensais que peut-être ce ne sera pas répété, voilà. Et puis, d'un côté, le capitaine, le lieutenant de l'armée française aussi, il m'a encouragé en fait de travailler, voilà, il m'a donné du courage. Voilà, c'est fini, il n'y a pas d'autre attaque et tout ça. Il n'y a pas la guerre à gagner, ce n'est pas la guerre du courage ou des sabres. C'est les armements chauds automatiques qui fonctionnent avec la puissance du gaz de poudre. Ça n'a rien à voir avec le courage, une guerre gagnée ou une guerre perdue. C'est les Américains qui gagnent, c'est le monde entier qui paie.
2014, le général français, alors il a fait ses adieux, alors il a remercié, coopération tous, il a fait son discours. Moi, j'étais honoré de faire l'interprétation de Goodbye Party, quoi, on peut dire. Nous quittons aujourd'hui cette académie avec une émotion certaine. Vous le savez, la France ne fournira pas de soldats pour la prochaine mission de l'OTAN en Afghanistan. Mais la France restera à vos côtés. Donc après le départ des Français, alors cette première cible, c'était les interprètes. Alors. Les interprètes qui ont travaillé avec l'OTAN, ça c'est la première cible pour les talibans, après les officiers et les polices. Et il y avait 50 000 Afghanis alors, pour un interprète. Alors. Pour la tête d'un interprète, sa récompense. Parce qu'il disait que ça, c'était les interprètes qui étaient la langue, les pieds, les mains, même le cerveau de l'OTAN et ou bien des militaires françaises ou bien étrangères. Il y avait une grosse bombe, un engin explosif qui était dissimulé derrière la maison. C'était à 1h le matin qu'il s'est explosé. Il avait trois chambres et... se sont effondrés. Il y avait des briques, des décombres partout et nous étions légèrement blessés, mais pas beaucoup. Et j'étais choqué en fait. Je n'avais pas d'autre solution et puis j'étais obligé de commencer de faire la manifestation et de réunir tous mes collègues au parc Charinau, de trouver une solution et de sauver notre vie. On a donné les dossiers. Oui, à la réponse, le dernier jour, il nous a donné un courrier que c'était négatif. Notre dossier ne répondait pas aux critères de la demande d'asile ou d'être rapatrié, ramené en France. Ça, on ne répondait pas aux critères. Je ne sais pas quels critères. Ça, je ne sais pas. J'ai décidé d'aller voir directement un attaché militaire à l'ambassade de France. Et nous avons bien expliqué que voilà. Nous sommes en danger. Pourquoi certains de nos collègues sont déjà partis en France et pourquoi nous ne pouvons pas bénéficier de la protection? Il nous a fait partir, en fait, de l'ambassade en disant que, voilà, quel d'entre vous est mort pour la France? La même phrase. Et puis, nous sommes retournés chez nous. Ça, c'est la question qu'ils posaient même les officiers afghans. Ils nous posaient que « Ah, vous restez, vous ne partez pas avec les Français. Alors, on vous a abandonné. Qu'est-ce que vous faites? On peut vous recruter ici ?» Les collègues du travail, c'est les Français, ils me disaient alors que là, vous serez abandonnés. On part ici définitivement. Vous serez comme les Harkis. En Algérie, pareil, ce sera répété encore une fois. Ouais. Nous, les Afghans, on ne fait pas ça. Facilement, on ne serre pas la main, ou on ne fait pas l'amitié, mais quand on le fait jusqu'au bout. On n'abandonne pas notre ami en moitié de chemin. Vous savez, c'est autorisé dans l'islam, dans les pays chez nous, la divorce. Mais les Afghans, ils ne le pratiquent pas, c'est honte, divorce. On ne fait pas le mariage, ce n'est pas facile, avec chacun qu'on ne connaît pas, mais après, on ne fait pas la divorce. Nous, normalement, on n'a pas l'habitude d'abandonner, quitter celui qui a fait de bien pour nous, de le laisser au moitié de chemin. Surtout, c'est pas bon pour un soldat, un homme de combat. C'est hors de honneur et hors de question. Il n'aurait pas dû nous abandonner. Comme la manifestation, c'était complètement inutile, il n'y avait pas de journalistes, il n'y avait pas de médias et tout ça. À la dernière fois, j'ai décidé d'inviter deux journalistes français. Un journaliste de RFI et l'autre journaliste était de France Presse. Et grâce à ces deux journalistes, on a pu médiatiser en fait notre problème. Et quelques jours après, j'ai réussi en fait de recevoir un message de la part de l'ambassadeur de France et nous avons réussi d'obtenir un visa
Mais pas tous, mais juste certains. Oh, bienvenue. Ça va. Non, ça passe pas la fin. C'est tout qu'on coupe celui-là. On va couper. On va couper par là. Ça c'est la fenêtre, hein. On dit la hutte, ou la cabane. Quelle est la différence entre les deux? La hutte, H-U-T-E, et la cabane. Ça veut dire la même chose, mais je ne sais pas. Mais pourquoi on n'utilise pas hutte quand on utilise la cabane? J'ai eu l'information à l'ambassade à Kaboul que vous allez vivre à Lan. J'ai regardé sur Google Maps, j'ai vu la cathédrale. Voilà, tous. Et les habitants de 26 000 personnes. C'est ça l'information. J'ai quitté ma mère et j'ai quitté l'Afghanistan qui est comme ma mère. On est très attaché à sa terre. Quand on est descendu, débarqué de l'avion, il y avait un colonel qui est venu pour nous accueillir, un colonel de l'armée. Et après, on est monté dans les bus. On est venu ici à 40 boulevards de Lyon. Avant, on était tous ensemble dans un bâtiment des sous-officiers, sous-officiers. Et il pleuvait, il faisait froid. Il y avait une dame, il est venu, il a dit, c'était une vieille dame. Oui, il a dit, je sais, quand on vient, qu'il n'y a rien à la maison, c'est difficile. Ils ont ramené tout ce qu'ils avaient. Je suis arrivé en France en 31 mars 2016. Si je ne me trompe pas, c'était samedi. Un samedi, il pleuvait. Quelqu'un qui ne sait pas nager, et tu vous le mettez dans la mer, alors débrouille-toi. C'était comme ça. Ah, on est arrivé devant un immeuble, et les gens qui nous accueillent, et on descend avec nos bagages. Donc, la seule chose, l'avantage qu'on avait, qu'un appartement nous attendait, déjà. Il y avait des chambres, deux tables, grande table avec cette chaise pour cette personne. Et cette lit. Voilà. On était au centre de la ville, 25 familles, avec les cultures différentes. L'un qui vient des provinces, l'autre qui vient du centre de Kaboul, l'autre qui vient de le nord, de l'est, avec les enfants, les vieux, les vieilles, les jeunes, les moyens, tous. À cette époque-là, donc en 2016, on était 102 personnes. Quand je suis venue ici, j'habitais dans un appartement. Quand j'ai vu les femmes afghanes, ils ont mis tout le monde avec des voiles, des burqas, et comme ça, sauf moi, que je ne mets pas de voile. Et toujours, je ne sais pas, ils me regardaient. Ils disaient, voilà, madame, il ne met pas de voile, et comment elle peut sortir de la maison, et voilà, c'est tout. Et j'ai demandé à mon mari, il dit que ne pense pas à ça. Chacun a sa vie. Si tu ne veux pas de voile, ne mets pas. Si tu veux, tu mets. Ça c'est ta décision. Il y avait des gens, des interprètes qui sont venus avec leurs vêtements traditionnels, centre de la ville. Et les gens qui nous regardaient, alors ils regardaient, c'est quoi? Qu'est-ce qui se passe ici?
Et autour de nous, les gens étaient inquiets. Vraiment, c'est très, très inquiet. Ils ont peur qu'il sera vandalisé, alors leur voiture, volée, ou bien casser les carreaux, etc., etc. Après un mois de notre arrivée, on a eu des signes sur les murs de bâtiment. Alors, là, ils ont fait des signes de Hitler, des petites choses rentrées, c'est un truc comme ça chez vous. Après, les assistants sociaux, ils ont nettoyé le jour même. Le mot que vous cherchiez, c'était Croix-Gamée. Croix-Gamée, oui. La Croix-Gamée, oui. Une fois que je suis arrivé sur le territoire français, le travail que Pôle emploi m'a proposé, c'était de trier la salade sur le tapis à l'entreprise de Dona, qui se trouve à Laon. Pourtant, j'ai eu la capacité de travailler en génie civil, j'étais un ingénieur, j'étais aussi un électricien. Après, j'ai décidé de quitter le travail et actuellement, moi, je travaille en qualité d'interprète pour les immigrants afghans qui sont déjà venus en France. Oui, donc il a une question, docteur. Dans combien de temps il va rester hospitalisé ici chez vous et vous allez le libérer dans combien de temps, docteur? Alors, en fait, il n'est pas du tout emprisonné. C'est-à-dire que s'il s'en va, il s'en va. On ne va pas le poursuivre, ni lancer les gendarmes, ni quoi que ce soit. Le problème, c'est que lui, il a une forte suspicion de tuberculose. Et le but essentiel, c'est de le protéger, lui, et de protéger les autres migrants qui habitent avec lui. D'accord. Ainsi soit-il, il ne va pas contaminer d'autres migrants ou d'autres peuples, d'autres personnes. Mais là, il demande votre autorisation afin de pouvoir partir au camp et récupérer le cigarette, ses affaires, le téléphone. Et après, il va revenir dans la foulée. C'est bon, on lui fait confiance. Saïd, on te lâche, Shayan, la bière t'arrache. Delta Boudan, on t'a David, des arouris, des patavan, des bawarko, et des madrmanikou. Lâche, Moshkel, des halka, bière t'arrache. D'accord, ok, il va revenir, il est pashtoun, il est fidèle à la parole donnée et il va revenir. Bon, très bien, vous le remerciez beaucoup et vous lui dites qu'on prend soin de lui avant tout. Oui, merci docteur. Merci que vous réfléchissez à sa santé, à lui-même, à une personne qui est venue rentrer clandestinement. Merci beaucoup. Vous exilez un homme, soit, et après, vous pouvez arracher un arbre de ses racines, vous n'arracherez pas le jour du ciel. Est-ce que t'as des jaunes après? Ben oui, c'est moi qui l'ai eu. Non. Je suis en train de dessiner une médaille. Ici. Donc, on va en avoir ici et ici. Elle est encore plus morte. Montre-moi. Qu'est-ce que c'est? C'est un arbre. Ah, un arbre. C'était un arbre, c'était en Afghanistan, non? Oui. C'est bien dessiné, le truc vert. Il y a les feuilles. Ah, les feuilles de l'arbre. Oui. C'est bien. Et qu'est-ce que c'est? C'est des voitures. Ah, c'est des voitures qui passent par la route. Ah, toi, t'avais une voiture dorée. Dorée, exactement. J'ai eu une voiture dorée et votre oncle matériel avait une voiture rose comme ça. Je sais. D'accord.
Oh, toi, tu as dessiné beaucoup de choses. Et qu'est-ce que c'est, ça? Ça, c'est le drapeau d'Afghanistan. D'accord, c'est le drapeau. Ça, c'est pas... J'ai essayé de faire la robe traditionnelle, mais après, j'ai pas réussi. Du coup, j'ai fait un autre truc. Oui. Ça, c'est le truc qu'on met sur notre tête, là, avec beaucoup de bijoux dessus. Beaucoup de bijoux dessus. D'accord, d'accord. Les fleurs. Oui, les fleurs. Les poissons. Les poissons, oui. Ça, vous avez bien dessiné quand je rentrais de mon travail et je m'allongeais, je pouvais douter. Oui. Tu te souviens, ça. Ça, quand toi étais à la crèche, ils t'apprenaient l'alphabet en perse, Aleph, Bet, Tsin. Voilà, ça, c'est les alphabets. Super, c'est bien ça. Merci. Quand j'étais jeune, j'étais à l'école de lycée Steklal. À cette époque, les femmes se baladaient tout seules, elles étaient en pleine autonomie. Comme ma mère qui faisait ses courses toute seule, même on allait au cinéma, il y avait des cinémas, des théâtres. Les portes des maisons, c'était presque ouvert. On ne fermait pas le cadenas, on ne surveillait même pas, on dormait tranquillement. Les policiers, par exemple, ils n'avaient pas d'armes à cette époque. Ils venaient avec un bâton. Ils se baladaient un petit bâton. Donc le bâton qui représentait la loi. Mais malheureusement, avec la guerre, il est parti tout. C'est fini. J'étais jeune, j'ai pensé à ça que je serais être une présentatrice à la télé. Mais malheureusement, ma famille ne permet pas. Il a dit que non, ce n'est pas bien pour les filles. Ma famille, ils sont ouverts. Mais notre peuple, ils ne sont pas ouverts. Après, j'ai continué mes études à l'Université de Kaboul, département français. J'ai choisi être professeur. Aujourd'hui, on commence la première leçon de français. Et ce que je dis, il faut que vous répétez. C'est une fenêtre, c'est la porte. Comment t'appelles-tu? Je m'appelle Thomas. Qu'est-ce que c'est ça? C'est un signe. Prenez votre cahier et écrivez ce que j'écris. Masculin et féminin. Tu veux pas? Je voulais laisser ce clair-là. Ah, ça fait 1975. 15, ok. Et ça, c'est le diplôme de quoi? Moi, j'ai été dans le lycée francophone, c'est Steklal. Parce que j'ai préféré la langue française et la civilisation française. Ah, c'est ça. À l'époque de monarchie, tous les étudiants de Kaboul, majorité, ils ont parlé français. Les membres du ministère des Affaires étrangères étaient francophones. Notre roi, Amir Amallah Khan, a voyagé à Paris avec son reine. Il a écrit un contrat culturel avec la France. Le fils du roi nous a invités dans la piscine, dans un jardin à Pagmon, en Afghanistan. Alors, nous avons été en train de nager. Que le roi vienne avec ses corps d'armée, etc., avec ses bodyguards. Alors, notre corps était nu. Le roi vient chacun demande des questions en français, parce que le roi a fait ses études en France. Sa famille a fait l'étude en France.
Alors le roi demandait de chacun de ceux qui nageaient. Il dit, comment s'appelle cet animal? J'ai dit, ce n'est pas un animal, c'est un oiseau. Il dit, comment s'appelle? J'ai dit, il s'appelle un canard. Il dit, très bien. Il dit, l'eau dans laquelle vous nagez, comment s'appelle? J'ai dit, piscine, la piscine. Bravo, il dit, bravo, bravo. Après, il a demandé d'autres questions. Finalement, le roi était très content, était retourné à son palais royal. À la veille de son départ pour la France, Sa Majesté a bien voulu nous recevoir en son bureau du palais Gulkhana. Vous savez qu'il est toujours agréable se dire ma joie de retrouver bientôt la France, à laquelle tant de souvenirs m'attachent. Pour votre part, vous avez vécu en France, vous avez étudié à Paris, au lycée Jean Sansailly, et à Montpellier également. Oui. Mais il y a longtemps de cela, 35 ans, je crois. Depuis, comme vous le voyez, j'ai quelque peu perdu la pratique de votre belle langue. Aujourd'hui, il y avait une dame infirmière et j'ai appris un mot sans dictionnaire, côte, les côtes. Oui, les côtes, c'est le Kabara, Pokhtaï. Oui, c'est bien, ouais, c'est bien ici. Ouais. Après, moi aussi, j'ai appris un mot. Quel mot? Un mot de sporadiquement. Sporadiquement. Sporadiquement, d'accord. Oui. D'accord. Et blafard aussi. Quoi? Et le mot de blafard. Blafard. Moi, bon, ça, je ne sais pas, je ne connais pas. J'ai besoin d'une phrase en français surcomposée à l'imparfait, subjonctif. Passif en même temps. Subjonctif, passif, surcomposé. comment on dit en français? C'est comme ça le français. C'est très avec difficile, pas avec plus que parfait, passif, subjonctif, je peux dire que juste été aimé, par exemple, comme ça. Avec l'imparfait, que je fusse aimé. Mais avec une phrase surcomposée dans l'imparfait, subjonctif, passif en même temps. Comment on dit en français? Indicatif, Wadjah Boris, ni Wadjah Boris. C'est un dictionnaire mobile, lui. C'est un dictionnaire, hein. C'est un dictionnaire, lui. C'est maman. Hier l'après-midi, on a terminé l'extérieur. C'est bien. Hein. Tout s'il vient dedans. Voilà, comme chez vous. On n'a pas fait Paris en un jour. Oh, bah, oui, c'est vrai. On a besoin du temps. Très bien. Oui. Un beau travail. Travail d'équipe. Ah, oui, je sais, oui. Je vous ai lu à l'œuvre. Je retourne chez moi. Et voilà. De 2016 jusqu'à aujourd'hui, les interprètes, on a gardé cette liaison. J'ai discuté, il dit que voilà, avec plaisir, tu choisis le jour, la date. Et environ 7-8 personnes, il m'a aidé pour la construction de cette cabane. Après, ici, on peut passer le temps avec ma famille, avec nos collègues qui viennent souvent ici pour faire un barbecue, pour prendre un thé, un café. Et ça, c'est vraiment... Le jardin, c'est moi qui ai pris, mais les 25 familles qui sont à côté de nous, ils sont très contents.
J'ai monté mon dossier de naturalisation. J'ai envoyé 2 fois, 3 fois, 4 fois. 6e fois, j'ai renvoyé, mais j'ai pas de retour. Je suis en train de préparer les papiers, mais j'ai peur, parce que si j'ai fait une demande, si elle me refuse, ça c'est triste. C'était la préfecture qui nous a accordé la carte de séjour. La différence, c'est ça. Qu'avec une carte de séjour, on peut rentrer en Afghanistan, on peut retourner en France, mais avec un statut de réfugié, on n'a pas de droit en fait, d'aller en Afghanistan. On a le droit d'aller dans les pays européens, mais pas en Afghanistan. J'ai juste une carte d'ancien combattant qui est donnée par l'ONAC, le service d'ancien combattant. Comme quoi que j'ai bien servi voilà, l'armée française. C'est pour ça qu'on est régulièrement on est invité à la préfecture pendant la cérémonie, et, voilà, pendant la cérémonie festival et tout ça, le 14 juillet. Thérèse laissa éteindre sa cigarette. L'œil fixe, elle regardait cette cage aux barreaux innombrables et vivants. Cette cage tapissée d'oreilles et d'yeux, où, immobile, accroupi, le menton aux genoux, les bras entourant ses jambes, elle attendait de mourir. Thérèse, elle est obligée d'oublier la famille de son mari. Et il reste à la maison. Moi, j'ai pensé aux femmes qui habitaient aux régions d'Afghanistan. Et à cause de ça que j'ai traduit ce livre. Dès que les talibans ils sont arrivés à Kaboul, c'est fini. À venir pour les femmes, c'est fini. Seulement les filles qui ont déjà 12 ans, jusqu'à 12 ans, 13 ans, elles peuvent aller à l'école. Après 13 ans ou 14 ans ou 15 ans, c'est fini. Afghanistan, c'est une prison pour les femmes, avec des cages, avec des grilles. Rachel Stanton reports. A new normal on Afghanistan's TV screens. Female presenters and other women on air now have to wear face coverings. The ruling comes 2 weeks after the Taliban ordered all women to wear a face veil in public or risk punishment. If such decrees are issued and imposed on women, then women across Afghanistan will be eliminated. Oui, ça, moi, j'aime pas les talibans. Ils n'ont pas le droit de fermer les écoles des filles. C'est pas l'islam. Si vous envoyez un garçon dans une école, au bout d'un moment, vous allez former une personne. Si vous formez scolariser une fille, vous formez scolariser une famille. Et fermeture d'école, vous savez, la richesse d'une communauté, c'est pas les mines. C'est le cerveau, en fait, le talent, les scolarités. J'ai eu l'espoir de retourner un jour en Afghanistan. Voilà. Je pensais que peut-être les talibans, ce sera fini. Il n'y avait pas d'autres problèmes de sécurité, tout ça. Mais malheureusement, vous voyez que les talibans se sont emparés de pouvoir. Nous ne pouvons pas rentrer en Afghanistan. L'Afghanistan, il est situé, c'est un point neutre entre l'Occident et l'Orient. Les Russes, la zone sous l'influence des Russes, et la zone sous l'influence de l'ex-empire britannique et les Américains, en fait. Il y a un qui vient, avance, deuxième qui recoule, deuxième qui avance, troisième qui recoule. Donc, depuis des siècles, il y a la guerre qui est en cours, il n'y a pas le bonheur. Il n'y a pas comment en génération, il y a des générations qui sont sacrifiées. Et ça va continuer. Jusqu'à quand, on ne sait pas, Dieu le sait. Je suis
عاشق نشدی زاهد دیوانه چی میدانی؟ Quelle est la valeur d'amour pour un fou s'il n'est pas tombé amoureux? Ok. Dar shola naraksidi parwana chi medoni? Il n'a pas dansé autour de la flamme. Il n'est pas de il. Il n'a pas dansé autour de la flamme et il ne sait pas la valeur de l'amour. Non mais de la papillon. Tu parles de qui? Je parle de toi. Non, je parle de toi. Oui, je parle avec toi. Il n'y a pas de il. Il n'y a pas de haine, il n'y a pas de il. Okay, okay. Je parle avec toi. Okay. D'accord? Oui, oui. La poésie, ça ne donne pas le même sens. Maintenant, vous avez compris le sentiment de ce poème ou pas? Au niveau de traduction, vous avez compris ou pas? Qu'est-ce qu'il a dit? Ça veut dire qu'une personne qui est fou et idiote, elle ne comprend pas, elle ne sait pas la valeur de l'amour. S'il est tombé amoureux. Oh ouais. Comme un papillon qui tourne autour de la flamme. De. Tour de feu. Autour de la flamme. Pourquoi il fait la tour? Parce qu'il est amoureux. Amoureux de quoi? Amoureux de. De flamme. Oui. Voilà. Pour ça, oui. Il est tombé amoureux de flamme. Pour ça, elle brûle. Elle brûle, ouais. Voilà. Mes quatre sœurs actuellement qui habitent en Afghanistan, mon frère qui habite en Afghanistan, la famille de mon épouse, les frères, les sœurs, les oncles, tous actuellement ils habitent en Afghanistan, ils sont en danger. J'ai fait une demande de protection aussi pour ma famille à la cellule de crise du ministère des Affaires étrangères. Et malheureusement, j'ai reçu aucune réponse favorable. Moi, je me sens aussi comme ça. Depuis que la guerre a commencé en Ukraine, la communauté internationale a oublié, en fait, l'Afghanistan. Charbon. Ah, non, c'est pas charbon. T'as notre petit charbon. Oh, c'est nickel. La plupart des femmes des interprètes sur lesquelles on fait le film, elles se cachent, elles ne souhaitent pas être filmées. Est-ce que vous pouvez nous expliquer? La plupart des femmes, elles ont gardé leur culture. En région, les femmes ne parlent pas avec les hommes étrangers, avec les hommes. Et je pense que maintenant aussi, elles n'osent pas. Ou j'espère, petit à petit, elles commencent à un peu... quoi, de sortir, d'apprendre la langue. En tant que père, je suis très, très, très fier que mes enfants, qui ne parlaient même pas cette langue, alors la langue française, ils sont arrivés à avoir leur bac, s'inscrire à la fac. Après, c'est eux qui décident est-ce qu'ils veulent rester ici avec nous ou est-ce qu'ils partent. Pour l'instant, ils sont sur la bonne route.
Les parfums ne font pas frissonner sa narine. Il dort dans le soleil. La main sur sa poitrine, tranquille. Il a d'autres rouges au côté droit.